Ce mardi 9 janvier, le journal Le Monde publia une tribune sans signataire pour la liberté d'importuner des hommes et contre les mouvements Dièse MeToo et Dièse Balance ton porc. Parmi ces signataires, la chroniqueuse radio Brigitte Larrey, qui a depuis tenté de s'expliquer sur BFM TV. Après la publication de la tribune publiée dans le journal Le Monde ce mardi, et qui a fait grand bruit, certaines signataires ont tenté de s'expliquer, via des textes ou des intervendreditions dans les médias. L'une d'elles, la chroniqueuse radio Brigitte Larrey, a tenu des propos choquants face à Caroline Dehaa sur le plateau de BFM, ce mercredi affirmant sans mesure, et comme argument de débat, que l'on pouvait jouir lors d'un viol. L'ancienne porte-parole et cofondatrice de l'association Osez, le féminisme a répondu à cette affirmation sur le réseau social Twitter. Le corps d'une victime de violence peut réagir de plein de manières différentes. Cela ne change rien au fait que le viol est un crime. Point placé, cette phrase alors que l'on parlait de plaisir sexuel, donne un sentiment de banalisation de la violence. Fermez les guillemets. Point. Les signataires de la tribune du journal Le Monde se sont alors désolidarisés des propos de Brigitte Larrey via un communiqué d'une des rédactrices, Pigji Sestre. Les rédactrices et les signataires de la tribune des femmes libèrent une autre parole, se désolidarisent totalement des propos tenus par l'une des signataires, Brigitte Larrey, concernant la jouissance du viol qui les a tenus en son nom et en son nom seul. Ces termes n'apparaissent ni dans notre tribune ni dans les intervendreditions médiatiques qui ont suivi la publication de la dite tribune. Nous sommes une très large majorité à considérer que ces propos sont insultants envers les femmes victimes de violences sexuelles et de viols. J'aurais peut-être dû dire se fermer les guillemets malheureusement en disant malheureusement, on peut jouir lors d'un viol. Évidemment, je ne l'ai pas dit pour blesser.